Bonsoir, je présente Bulletin Nouvelle. Nous commençons avec un grand titre. Évaluation est montrée qui dit monde dans la communauté et voit système conseil régional comment une qui n'est pas effective et y a un gaspillage l'argent. Procéder et ne commencer pour construire un nouveau centre de la santé Bélazar. Trois anciens ministres tourisme et parmi six noms qui ont dévoilé dans le parc Bonne Pionnier pour le secteur tourisme. Il y a l'étranger plus que 600 000 voyageurs et puis à travers le monde après qu'il a son voyage Thomas Cook il déclare faillite aujourd'hui et client sa l'agence ici c'est il est aussi capable de gagner affecté et il aussi en prison président Danny Ford qui parmi bon dirigeant le monde qui peut assister conférence Nations Unies le changement climat qui peut faire New York nous passe le bon détail. Une évaluation fait le concept du bon conseil régional un an après qu'il est informé. Il montre qu'il bon zen et dimonazé voit que sa système il n'a pas aucun impact sur la communauté. Il n'est pas effectif, inefficace et il existe un gaspillage l'argent. Ils ont préféré un conseil district. Et le résultat de sa évaluation sera présenté pendant une rencontre avec l'autorité district et le gouvernement local pendant une rencontre qui fait que la salle conférence STC. Aujourd'hui après-midi, certains bons officiers qui forment pas à sept conseils régionaux qui sont lancés aux îles de l'année passée comme un projet pilote pour un an. En tout, il y en a 49 membres qui ont gagné à pointer en accord avec un agrément entre les deux plus grands partis politiques de pays, l'Union démocratique Sécéloi et United Seychelles. Résultat à sa évaluation pour présenter avec le conseil ministre pour lui décider le prochain étape concernant sa conseil. Ah ouais. Le côté résultat, nous le remarquons pour dire que le résultat est presque en noir et blanc. Ça veut dire que les gens où il y a des gens qui peuvent gagner un service, les autres pays ont quelque chose qui n'est pas massé, quelque chose qui n'est pas efficace, quelque chose qui gaspille l'argent, perd le temps, qui tient beaucoup de politique là-dedans et qui n'a pas le résultat que les autres pays se comptent. Mais les temps où il y a le côté conseiller régional, ils croient dans ce que vous pouvez faire, ils croient pour dire l'important de ce travail que vous pouvez faire, ils disent non, c'est un résultat, ils disent qu'il y a un an pas assez pour faire ce travail, et qui peut-être pas tout le temps que vous avez un support nécessaire pour faire ce travail masse bien, et ils croient que le conseil régional devrait continuer. Et à présent, ils créent un dilemme. Au ministère gouvernement local à cause là il y en a li, des résultats qui complètement différents ou un groupe qui dit pas bon et un groupe qui dit ti bon et là ils pour besoin autres qui ont pour faire avec qui manière pour arranger qui bonne décision qui ont besoin pour baser là. L'agence soins de la santé dit qu'il est posé pour construire un nouveau centre de la santé Bélazar expecté commencer bientôt. Député chef exécutif Salazar Sindi, ça pendant une visite côté clinique Bélazar bon matin. Ça tient après qui est mené pour sa district, François Adélaïde, qui demande l'éclaircissement, l'existence, plan sa posée, qui est arrivé et quand qui est pour commencer. Clinique Bélazar est datée depuis l'année 1970. Sa clinique qui desservit communauté Bélazar et qui aussi inclut et facilite service dentaire y accepte. Il fait peu de temps déjà depuis qu'il en a demandé et proposition pour une nouvelle clinique plus grand et plus équipée pour le district Bélazar. C'est le plot, ça vous donne. Oui. Bon matin, député chef exécutif l'agence sur la santé, Catherine Cécile, il dit qu'il proposait pour construire une nouvelle clinique Bélazar et expecte commencer bientôt. Il dit ça après qu'il est avec une délégation qui t'y compris membre électé de l'Assemblée nationale pour Bélazar, François Adélaïde, membre électé de l'Assemblée nationale pour Anse Boileau, Philippe Arissol et membre proportionnel LDS de l'Assemblée, Terence Mondon, qui visite Salandois. Sa visite, il vient après qu'il membre électé de l'Assemblée nationale pour sa district, qui peut demander l'éclaircissement, l'existence, plan s'apposer inarrivé et quand qui pour commencer. Bélazar, il n'est plus satisfait qu'il est tout seul. Bélazar, on est pour dire qu'on a un gang à l'hôtel, on a beaucoup de business touristique, on a beaucoup de travailleurs qui peuvent venir à Bélazar. Et tout ça, on peut mettre pression sur la petite clinique. Pendant un peu de temps, on peut la guerre pour être capable, at least, gagner la parole qu'on est, qui peut passer pour le public qu'on est. Mais après ça, l'explication, ça va nous poser, qui doit dire moi pour un an. Il y en a un peu de hope, seulement fait des qui.
ministère garde son parole. Et nous quittons le calendrier, nous pouvons dire qu'il va y avoir milliers l'année prochaine, nous pouvons avoir une clinique qui commence à rebuild. Député, chef exécutif de la santé, il dit qu'il procède pour commencer la construction de sa clinique qui est expectée coûter 20 millions de roupies. Il a déjà commencé. Cette semaine même, nous pouvons faire technical evaluation pour nous appointer un consultant qui peut faire design du nouveau health center. Il va faire design, là il va finir avec un approval planning authority. Après ça, ça même consultant il a continué faire project management les constructions qu'il a fait. Donc là ça, nous premier tender ça. Après nous pour faire un deuxième tender pour construction. Nous expectons qu'il s'attende, il va gagner de premier trois mois l'année prochaine. Nous va faire s'attendre, nous va capable appointer sa compagnie qui pour faire construction pour nous et qui certainement 20 milliers l'année prochaine, définitivement, nous expectons qu'il premier pied mettre dans la terre déjà. Après, nous allons continuer la construction 2020 avec 2021. Nous expectons qu'il finisse sa projet. Une chose qui est délai sa projet, c'est que vraiment, nous, Project Unity, si n'a pas assez du monde avec sa capacité pour faire. Pour faire l'ouvrage. Et c'est ça, les gens qui nous ont décidé pour nous outsource project management plusieurs projets. Il y en a ça, il y en a encore des trois projets qui nous peuvent outsource bonne rénovation aussi. Donc, ça bonne rénovation. Après, les temps, nous finissons avec nos nouveaux plans. On va faire rénovation. Nous peut travailler dans la DIG aussi. Nous peut travailler dans nos Regional Health Center pour East Mahé aussi. Donc, il y en a une quantité de projets dans nos pipelines. Il nous dit que sa clinique peut écrire différentes facilités. Nous pouvons là maintenant ground avec un floor, mais seulement là nous pouvons discuter avec sa bande qui peut design. Nous avons nous la liste requirements, combien la salle nous besoin, combien treatment rooms, etc. Donc nous avons un dental ici, certainement nous avons un programme de la communauté pour nous maintenant nous pouvons mettre quantité d'emphasis sur la santé dans la communauté. Donc as we go along, là nous design in Paris. Nous pouvons inviter bon du monde pour venir voir nos designs. Nous allons présenter le design et expliquer exactement quoi qu'il nous peut faire. Et aussi, en un de la case de la terre, que nouveau clinique est expecté construire. Avec ce qui est M. Chamla, il dit pour dire que ça va dans la case pour gagner des molis et les autres déjà en consultation avec M-Hilt pour que ça va dans les autres welfare la case pour gagner là-dedans. Et hopefully, les projets commencent, définitivement, ça va dans la case pour besoin finir ça aussi. Sa clinique, qui déjà là en ce moment, est expectée rester opérationnelle temporairement, entre-temps que la première phase de travail de construction y commence. Il peut ensuite être démoli. Parc bon pionnier pour l'industrie tourisme Cécile, qui situé côté de l'Académie tourisme Cécile ST la misère, il nous a dit encore accueille six nouveaux noms. Ça a pendant une petite cérémonie qui était assistée par mon famille et mon famille s'assiste six pionniers. Parmi ces trois anciens ministres tourisme du gouvernement premier avec deuxième république, sa cérémonie tombe de quatre activités pour commémorer festival tourisme. Six nouveaux pionniers dans l'industrie du tourisme qui ont honoré, c'est Madame Andiana Wawo, née Sadapé, qui est propriétaire Guest House Café Royal de Ballonne 1970. Trois anciens ministres du tourisme du gouvernement, d'abord M. Carl Saint-Ange, qui est aussi propriétaire de l'hôtel Cabane des Anges de Ballonne 1970. Mathieu Servina, qui est ministre du tourisme et du transport 1977. Et aussi M. Philippe Loiseau, qui est aussi propriétaire restaurant Gardinien. Ensuite, il y en a écrivain Brandon Grimshaw, qui est propriétaire de moyenne depuis 1962, artiste Achille Kwame Luc, qui est quitté nous l'année passée, et Philippe Lefebvre, qui est propriétaire de restaurant Seacrest depuis 1965. C'était secrétaire principal pour le tourisme, Madame Anne Lafortune, et directeur STM, M. Flavien Joubert, qui dévoile sa plaque. Let Pierre est bon invité, ministre pour Finance, Commerce, l'Investissement et Planification économique. M. Maurice Lousteau-Lalonde, qui est remplacé ministre Tourisme, l'Aviation civile, Port et la Marine. M. Didier Douglé, qui dit l'effet qui nous l'industrie tourisme, une flairie au cours de l'année qui passe. Et grâce à l'effort d'un individu très dévoué, qui est instrumental pour faire grossir le gâteau tourisme, pour venir s'acquitter aujourd'hui comme pilier de l'économie. In most cases, these pioneers set out unto uncharted waters with few points of reference beyond their own desire and determination to see Seychelles' nascent tourism industry flourish. We are here to
celebrate and to say thank you. Bien nous est pour voir qui à la fin des fêtes de nos mon vieux papa qui est mort 10 ans passé et il fait beaucoup pour touristes dans ce pays. Lui c'était la première personne qui t'y fait ça s'arrête la digue qui t'emmène touristes. L'étant Lindblad Explorer, il t'y fait ça ensemble avec Madame Lindblad et tout le monde qui est développé pour touristes après. Oh, vraiment apprécié. Petit pays, moi j'en ai, quand tu es petit, c'est moi, on dit que c'est le premier ministre pour tourisme et transport. Et je dis que c'est le fondateur de l'industrie. Comme si je suis monté l'appréciation, il est encore vivant. Comme si c'est le roi qui fait apprécier. Mais tout à l'heure, sa cérémonie tombe de cadre une activité pour commémorer le festival tourisme. C'est l'endroit que tout un certain loi qui a l'intérêt dans l'industrie du tourisme et dans les autres formations formelles. Il est très important que ça soit maman, les autres copains, lesquels qui ont commencé avec ça l'industrie, lesquels qui ont travaillé pour faire ça l'industrie, viennent Paris et aujourd'hui, et lesquels ça des gens qui ont contribué pour dire ça l'industrie, ils viennent premier pilier de l'économie. Et la raison qui nous récompense ça des gens, c'est APAD qui nous dit que c'est aussi pour aussi reconnaître la famille, pour la famille apprécier tout ce bon travail dit que l'autre fait. Après, ça va étudiant là, ils apprendre les autres bonnes leçons ici. Lesquels bonnes pionniers, lesquels bonnes simons qui peuvent contribuer pour les moments, lesquels qui avant. Et tout ce bon information, moi, est très important. Et ça, il devrait rester comme un legacy à cause, il faut de ne pas oublier, parce que ça, il nous peint, qui nous gagne tous les jours. C'est un comité qui soigne environ un an avant le festival de tourisme qui sont un candidat potentiel. Critère, il y a un dit, il faut les tables de monde infinies, des pâtes, pour récompenser notre bonne famille. Sa PAC de la rentrée STI est inaugurée par le président James Michel en 2015 et 8 premiers notes qui ont dévoilé un an après en 2016. Un homme 22 ans, Yann Labrosse, qui restait persévérant, s'il condamne 3 ans, 6 mois en prison pour l'offense viol et aussi dans les minets, l'alcool avec cigarette pour servir. La police dit qu'il s'est l'incident, il a rapporté avec Zot en mars 2016 par une fille qui s'est l'étant, il a 13 ans et Labrosse, il a 19 ans. Zise la Cour suprême qui n'écoute et passe sentence dans sa affaire, il donne Labrosse un période 30 jours, 6 ans, mais il a envie de faire rappel. Et ça travaillait construction, un Indien 38 ans qui a rapporté manqué aux îles des Roches depuis vendredi pour qu'on ait retrouvé. La police dit qu'il sont team officiers qui tient aux îles depuis samedi pour faire l'enquête et aider dans l'opération VCS. Il retourne maille aujourd'hui. Mais il dit que l'enquête est encore plus continuée. Il y a une possibilité que certains sont officiers et retournent des Roches pendant la semaine. D'après l'autorité, la compagnie de développement aux îles IDC, dernière fois qui ça travaillait indien, s'y a trouvé, c'est après des années, vendredi. Bonne maman, l'Assemblée nationale, ils ont encore des mains pour les autres sessions de travail, ministre des Affaires sociales, la Zéné Sport avec Kelty, Maxouzi Mondon, pour répondre à 6 questions. Bonne députée, ministre pour Finances, Commerce, Investissement avec Planification économique, Maurice Lousteau-Lalanne, il pour répondre à une question isant des mains de l'Assemblée pour aussi une deuxième présentation, 4 projets de loi. L'Assemblée peut aussi continuer débat le projet de loi concernant révision salaire, travailleur, service public et le code civil. Une délégation dirigée par le ministre pour l'Agriculture et la Pêche, Charles Bastien, il retourne Cécile après qu'ils ont participé dans la deuxième série de négociations, l'agrément partenariat à la Pêche soutenable avec l'Union européenne et son implémentation. Négociation fait à Bruxelles depuis les 17 jusqu'à les 20 mois. Et ils suivent la première série de négociations qui est faite ici les 19 jusqu'à les 22 mois passés. Discussion Bruxelles qui continue autour de la cise technique sur l'agrément et son protocole. Troisième série de négociations est expectée faire ici même, bonnet, mois prochain, pour adresser la cise qui est encore sous la table et pour essayer de tomber d'accord. L'agrément qui est terminé en novembre et son protocole en janvier l'année prochaine.
Entre-temps, bon touriste ici Cécile qui ne vient à bord Condor pour vos autres situations si différentes aujourd'hui, même si tin en an sa nouveau sa mauvaise nouvelle, plusieurs autres qui nous qui SBC qui vous avez qui dit qu'ils ont pas au courant ça qui peut passer et autres peut passer une vacances de façon normale. Bon touriste qui vient Cécile au avion Condor, le lance et dans la mer Beauvallon. Beaucoup d'autres pas au courant qu'ils ont voyage pour retourner ces autres à capable gagne interrompre vu que sa avion forme partie groupe Thomas Cook qui déclare faillite. We heard nothing. So we don't know anything. We read online is that all Condor flights are still happening except in the US. Unless I'm not back on Monday, back in Germany, I don't have any problems. We didn't get any information yet about it. Lo son website et Twitter, Condor dit qu'il peut continuer de servir son bon la route. Il en vole dans 90 destinations. Il fait des vols par semaine entre Frankfurt, l'Allemagne et Sicile. L'agence voyage qui occupe bon client Condor ici, 7 Degrees South, pour nous les donner interview SBC aujourd'hui, le SACISE, et pour confirmer qui quantité de touristes ici qui capable gagner affecté. Dernier vol Condor, ticket maillé samedi, et prochain vol expecté arrive mercredi. Nous retournons à l'autre SACISE national. Pelli Waro, un musicien qui était bien connu dans Ben Les Boys avec sa madame Maryam, une fête zote 50e anniversaire mariage, sa coupe qui célébrait zote noces d'or dans même l'église que zote marié 50 ans passé. C'est dans l'église Saint-Michel en Sopin, côté monsieur et madame Waro, qui fait zote vie pour première fois 50 ans passé. Je suis retourné dans sa même paroisse dimanche, je suis renouvelé les autres vies et satisfait avec une réception contre le restaurant Pomme Cannelle. Madame Myriam tient dans 19 ans et elle travaille comme secrétaire. Quand elle est parlé, elle est un musicien et elle mariée à l'âge 23 ans. Je suis 18 ans, mon parent dit que je suis devant nous à cause à cause d'un musicien, au besoin. Quand pour marier, ben il demande mon mari à 18 ans. Après, il est monté marié, mon mari a 19 ans, lui il tient 23 ans. Sa coupe, qui ne vit pour plus que 30 ans en Australie, s'y retourne cesser là pour qu'ils obtiennent prendre autre retraite. Ils ont des garçons, Rodney et Brian, et 6 petits enfants. Monsieur et Madame Waro, il dit qu'il a vu mariage pas facile. Mais quand même ça, sa cérémonie dimanche après-midi, tire un témoignage de mariage qui durait pour plusieurs dizaines d'années. Soti aussi dit qu'il mariage est incapable de tenir 50 ans mariage et soti donne un petit conseil pour une zen coupe. Les mariés comme musicien qui dans surtout un qui est very popular dans les temps les boys pas facile, mais seulement avec persévérance bon Dieu. Nous avons un sens à l'Australie, côté là, nous vivons la vie en famille. Il est vraiment difficile comme là pour tenir un mariage, mais seulement avec la. Il faut nous mettre bon Dieu plus dans la vie. À cause de. Nous avons beaucoup d'amusement, on connaît. Tout le monde nous a lissé, nous avons là-bas. Nous avons une fille, c'est tout bon garçon, nous avons sorti dans le samedi. Et après, les autres sont fatigués. Mais pas mal, il n'y a pas quelque chose. Mais seulement, avec, si on a bon Dieu dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas possible. So, moi je dis oui, c'est comme si qu'ils étaient capables quelquefois vivre un peu plus bien, copain camarade et plutôt rester ensemble que vous séparer ou pas au-delà du monde aux enfants qui souffrent. Et c'est avec sa petite nouvelle, le 50e anniversaire, monsieur avec madame Waro qui nous termine bulletin nouvelle, nous revoir bon grand titre avant quitter. Et évaluation est montrée qui dit monde dans la communauté il voit système conseil régional comment un qui est pas effective et un gaspillage l'argent. Procédine commencé pour construire un nouveau centre de la santé Bilazar. Trois anciens ministres tourisme et parmi six noms qui ont dévoilé dans le parc bon pionnier pour l'industrie tourisme. Et plus que 600 000 voyageurs pris à travers le monde après que l'agence voyage Thomas Cook qui déclare faillite aujourd'hui. Et clients à l'agence ICCC est aussi capable de gagner affecté.
Et aussi, on a un président Danny Ford qui peut assister à un sommet, le changement climat, qui a commencé à New York aujourd'hui. Et c'est là aussi que nous terminons Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui soir. Je vous remercie beaucoup pour l'attention.